dans la tête d'Emmanuel, le violoniste que vous venez entendre ce soir. Il était un étudiant à McGill, un petit prodige du violon, vraiment très talentueux. Et puis, il y avait aussi une flamme pour l'environnement, donc il a fait une mineure en environnement. C'est comme ça que nous, les gens de la ferme, on l'a connu à travers l'université. Et puis maintenant, il travaille sur une ferme en ASC, une des premières fermes en ASC au Québec, la ferme Cadet-Roussel. Puis il a été le violon d'or du Canada l'an dernier. Il a remporté c'est comme un peu la Coupe Stanley, ce violon. Puis à chaque année, il y a un nom d'inscrit dessus. Puis lui était le premier à participer à ce concours-là. Son but principal, c'est de rapprocher les gens qui prennent des paniers bio, par exemple, ou d'autres gens qui consomment des produits des fermes, des agriculteurs, avec une autre raison que la consommation de produits agricoles, quoi que c'est une bonne raison, mais aussi par la culture, parce que l'agriculture, c'est une forme de culture. Il y a d'autres formes de culture comme les arts. Fait qu'on est ici pour se rapprocher d'une autre manière en contemplant la musique d'Emmanuel. Fait que j'invite Emmanuel à venir nous faire son concert de violon.